Bonjour à tous, ici Sky Galaxy, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 32e épisode de Pokémon Épée. J'ai toujours un doute. Après ça, mon Pokémon sera le plus beau, enfin j'espère. Ok. Allez, on avait déjà parlé. Alors, on était vraiment rendu à Kim Kaham. Ça nous sera là dans les fruits. Il se sert de ses ustensiles pour les trouver. Il paraît que le stade de Kim Kaham est pile poil au centre de Galar. Voilà. Hop. Il paraît que les Meowth de Kanto et d'Alola sont différents de ceux de Galar. On appelle ça les femmes régionales. Il y a peu de monde qui achète des répliques de l'uniforme de Taraka, mais il paraît que la cape est super lourde et qu'en fait elle est impossible à porter. Ah d'accord. J'ai un rendez-vous, on devrait se retrouver au centre Pokémon, mais j'ai beau attendre rien et je me suis peut-être trompé d'endroit. Peut-être. Le défi des arènes, sauf erreur de ma part, l'ordre après les trois premiers badges, c'est Outchester, Corifé, Lutchester, pardon, Smashin et enfin Kim Kaham. Pardon, je vais comme ça. Hein. Il paraît que la mission d'arène de Outchester donne le tournée. Ah oui, je me rappelle. Bon, je suis prêt à attaquer la montagne, je suis plein de chocolat. What? Ah maintenant je suis... Ouf. Oh, je t'ai pogné. Oh, j'ai pas... Ah, je me suis dit, putain, faut que je reprenne la sauvegarde et tout. Quoi, j'avais sauvegardé avant, pardon. Et ça fait flipper, ça, ouais. Alors, on a rappelé une capacité, je crois. Mais... On avait, je sais pas. On a plus. Ah, ici, il y a quelque chose. Je crois qu'il y a de quoi. Un bain de muscles. Il a du style le Topizat, non? Moi en tout cas je trouve que oui, j'aimerais en avoir un. Si tu en trouves, j'ai un genre qu'on peut donner. Ouais non, faut que je fasse il faut que je fasse les deux. Quand on fasse comme Tritosaur, vu le type de mon Pokémon, je n'ai pas l'avantage, mais j'ai plus d'expérience. Je pense que tu vas sur celui la tête. Oh, yo, t'es la dresseuse recommandée par Tarak, c'est ça? Tu t'appelles comment déjà? Ah ouais, Caroline. J'avoue, si Tarak lui-même m'a mis sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du bon potentiel. Mais si tu veux te frotter à moi, il va falloir que tu obtiennes les 7 autres badges. Je sais, mais. Ah, du coup, tu es là pour admirer le contenu de la salle de reliques, je parie. Potasser l'histoire pour mieux piger le mystère qui entoure le Pokémon. Bonne idée. Tu sais quoi? Je t'ai à la bonne. Entre. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Si tu veux voir la salle de reliques, c'est en haut de l'escalier. Il y a fort longtemps, Kim Kaham était la ville principale ou Kim Kaham. C'est type Kim Kaham, principale de la région de Galar. Le trésor qui raconte son histoire se trouve dans une salle située en haut de l'escalier. On peut pas entrer dans la salle des reliques sans autorisation. Mais moi j'ai une autorisation. Thank you.
charme. Pardon. Il y en a d'autres. Ah, tu es venu, je suis content de te voir. Trop bien cette salle de reliques, regarde. Cette tapisserie retrace toute l'histoire de Galar. Deux personnages contemplant une étoile bleue. Une calamité survient et les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ils découvrent une épée et un bouclier capable de les repousser de la calamité. Les voilà sacrés souverains et couronnés. La naissance de Galar en image mieux que dans les vieux livres d'histoire barbare. Dis, y a pas un truc qui te surprend là-dessus? Je croyais qu'il y avait un seul héros. Pareil. Dans l'ordre de l'hôtel de Motorbail, il y a une statue du héros, et il n'y a pas de doute, il est seul. Mais la tapisserie, ils sont clairement deux. Que des mystères. Est-ce qu'il y avait un héros ou deux? Et c'était quoi cette nuit noire? Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici un moment. J'ai encore du travail si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mais Phil, je ne te retiens pas. Tu as des arènes à défier et des belges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. Merci. Les tapisseries de la salle des reliques représentent des héros de Galar. Quand on est très haut de temps moderne, c'est clairement ta rêve. Et l'objectif ultime de tous les danseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu vas avoir une chance d'y arriver, il va falloir te secouer. Prends le routine et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Oldchester. Merci. Laisse-moi deviner, je parie que tu es en route pour Oldchester, John. Comment je sais? Parce que la route 6 mène à Oldchester, parti. Seuls certains Pokémon peuvent apprendre les capacités fusion que j'enseigne. Ça te dérive. Oh, mais si tu apprends ça. Ah, ça c'est quoi? Électrocharge, double pied, la mèche, arc de feu. Les masses en utilisant avec air d'herbe. Et mâle de feu, pareil. Allez. Tadam. Ok. Attends, c'est quoi ça? Non. Enfin, ok. Et pis, tu connais la rumeur? Mais non. Quoi, vraiment? Mais tu sais bien. Il est vrai que si on déclare sa femme à son amoureuse en lui offrant un verre pomme, et ben le couple durera pour toujours. En fait, il y a une fille que j'aime bien, mais voilà, elle va bientôt déménager à l'étranger. Et avant qu'elle parte, je voudrais tout lui avouer. C'est pour ça que je veux faire pomme. Mais j'arrive pas à... Ah, j'en ai pas. Ah, je comprends, désolé de t'avoir demandé, je vais essayer d'en faire plus. Voilà, ou 6. Oh, il est trop choupi ce Tunonja. Regardez ce petit jacuzzi. Oh, tu fais quoi là? T'essayes de réveiller du Nanja? Pas moyen qu'on te laisse passer. Je vais pas le réveiller, votre Pokémon. Donc laissez-moi passer, ça suffit les bêtises. Oh, pardon, Dan. Allez-y, je vous en prie. Ah, salut, toi aussi tu vas à Oldchester? Yo, la Timiel, vous faites quoi? On voudrait passer. Dans vos rêves, vous êtes trop bruyant, mon homme. Et aussi, c'est tout le monde, j'ai l'air sûr pour brasser des filles, donc voilà. Ouais,
Si on vous laisse passer, ça va le perturber, ça pauvre toutes ces choupilous. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont marins, eux, mais on a un badge à réparer à Winchester. Affrontons-les. Ah ouais, carrément, t'assures. Mais chut, allez parler plus loin. Vous allez réveiller de ninja. Les membres d'aujourd'hui, je vous jure, il n'y a plus de respect. Bon, pas le choix. Pour protéger le sommeil de ninja, pour leur apprendre à se taire. Ok, ça va. Allez. J'aime pas les gamines, surtout celles qui gagnent un combat. Je te laisse faire. C'est un baisse. Ah. Allez. Comme beaucoup de ça. Et voilà. Tu sais que t'es vraiment relou. Ouais. Oh non, ouais, j'espère qu'on n'a pas rêvé du ninja avec tout ce bruit. Même pas, il dort encore tranquillement. En fait, on sert grave à rien, non? Allez, on se tire. Vous êtes vraiment trop top, toi et la pyro. Et moi, je suis juste bon à me faire rétamer par toi aussi. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu, c'est normal ça. Ou bien un perdant à chaque combat. Mais il m'a dit que je faisais pas honneur à mon congé. Et j'arrive pas à me sortir ça de la tête. Si ça se trouve, il a raison. Si j'étais la honte pour mon congé, que ton petit frère se bat plus avec moi avec un niveau aussi lamentable. Je sais pas, je sais plus. Ok, je réfléchis. À plus. Ah, mais ne pleure pas. Tiens, tiens, tu es une des challenges spécifiées par Tarek, c'est bien ça? Je suis Sally, voici ma carte de ligue. Si tu veux en savoir plus sur moi. Ça m'intéressait de voir comment tu te bats à l'occasion.
une chambre d'arène. Ok, bah écoutez, ça fait 15 minutes déjà, ça passe assez vite. Alors du coup, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon Épée. Allez, je vous fais des gros bisous, bye.